Aber das erste Mal wurde dann sich im Jahre 997 schriftlich erwähnt. Prawie 17 tysięcy ludzi. W tej chwili jest to około 3 tysięcy osób. Wir sind jetzt an der Stelle, wo die Motlau in die Bikes enden. Salut, là on est à Westerplate, donc c'est une petite île au nord de Gdansk qui est très importante parce qu'en fait, une fois qu'on la contrôle, on peut contrôler une bonne partie de la Pologne. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de guerres à cet endroit-là. Notamment, c'est ici qu'a débuté la Seconde Guerre mondiale parce que l'armée hitlérienne a commencé à attaquer la Pologne par ici. Donc ici, on peut voir les tombes des soldats polonais qui sont morts lors de cette première bataille. Et aujourd'hui, je suis avec Ehuga, qui est un étudiant de Hong Kong et avec qui je fais cette visite aujourd'hui et que j'ai rencontré à l'hôtel hier soir. Can say hello. Bonjour. Yeah. Et voilà, donc on va visiter, puis après on va visiter aussi Donetsk et ensuite ce soir, demain soir, je pars pour la Lituanie. Et oui, petit changement de programme. Là, on va manger dans la cantine qui est derrière moi. C'est une cantine où beaucoup de Polonais vont et qui est vraiment pas cher. Ça a pas l'air mauvais. Mais comme vous voyez, là il est 15h et il y a quand même énormément de monde qui fait la queue. Une chose étonnante, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent une assiette pour deux, qui mangent dans la même assiette. Voilà donc ce qu'on va manger. Alors là, on va au centre de Solidarnosc. Le mouvement lancé par Lech Walesa en 1980. Le Centre Européen des Solidarités, qui est en fait un musée qui retrace le mouvement Solidarnosc. Le bâtiment a un aspect tout rouillé, pourtant c'est un bâtiment récent, mais c'est en fait un choix de l'architecte en mémoire du combat fait par les différents personnages de Solidarnosc, dont Lech Walesa.